Pour nos 5 ans de mariage, je voulais marquer le coup. Parfait, la foire ouvre ses portes et j'avais trouvé le cadeau idéal pour ma femme. Non, je vous jure, il était parfait. Je vous présente mon balai 360. L'avantage, messieurs dames, c'est qu'il va pivoter à 360 degrés. Mais la petite goutte de pipi, vous savez, mon balai va pouvoir accéder en un instant. Moi, macho, non, j'avais aussi songé à des cadeaux plus sophistiqués, plus intimes, plus proches d'elle. Alors, je lave, je redresse ma brosse et je vais venir aspirer directement. Voilà, tous les soldures, vous pourrez les faire de la même façon. Oui, je sais, elle aurait voulu une nouvelle planche à repasser, mais que voulez-vous, celle-ci coûte 3000 euros. Bon, dommage, car ma femme mettait beaucoup de temps à défroisser mes chemises. Donc le principe de la table, c'est qu'on met de l'eau à l'intérieur, on appuie sur ce gros bouton, et pendant 3 heures, on repasse de cette manière-là. Ah oui, c'est deux fois plus rapide qu'avec un fer. Bon, et puis quand même, en plus du balai, j'avais acheté ce porte-canette pour nos soirées en amoureux, devant le foot. Enfin, nos soirées sans elle, quoi. On va ouvrir la canette comme d'habitude pour mettre le bouchon qui est hermétique. On va cliquer. On va renverser la canette et on va vous montrer qu'elle est très hermétique et qu'elle ne fout pas. Ah, ça me fait penser que depuis qu'elle m'a quitté, ma vie n'est plus croustillante. Comme mes chips, tiens. Il suffit de faire un revers comme ceci sur n'importe quel emballage, que ce soit du papier, du plastique ou d'aluminium, ça fonctionne tout pareil. Le petit guide jaune ici, là, je le mets dans le revers. Là, vous allez enfin pouvoir garder et conserver vos aliments pratiquement jusqu'à la date de péremption. Et puis, depuis que je suis seul, je manque tellement de tendresse. Ma vie n'est plus fun. Et vous dites que c'est sympa pour les couples aussi, hein ? Écoutez, je le dis parce que c'est des personnes qui m'en parlent, alors maintenant, même que je sois un petit peu vieille, je suis obligée de reconnaître que ça doit être très bien pour les jeunes couples. Alors pour moi, en revanche, je vous dis pas, j'ai vraiment une vie qui foire.